éloigné de l'univers cinématographique, c'est un petit peu faux, parce que moi qui vous connais bien, je sais que vous aimez le cinéma. Je sais même que certains metteurs en scène vous avaient fait des propositions il y a quelques années. Je ne sais pas si ça a suivi. En tout cas, on vous a vu récemment dans un film, et c'était une participation dans le rôle de Zèbre de Guy Lux. Quel souvenir de ce film? Oh, vraiment, je n'avais pas l'impression de tourner un film. J'étais dans mon univers, j'étais sur une scène, j'avais des musiciens. Enfin, je veux dire, pour moi, un film, ça doit être un total dépaysement. Ça doit être une scène. D'abord, ça doit être un rôle, et un rôle de composition, non pas le mien. Je veux dire, si un jour, comme ça, ils comprendront, parce qu'à chaque fois qu'on me propose un film, c'est toujours pour chanter ou danser ou pour faire un truc comme ça. Alors, ce que je voudrais, c'est, si on me propose un jour une aventure, l'aventure, je la suivrai. Ça leur coûtera moins cher. D'ailleurs, quand on me propose de chanter ou danser, je demande beaucoup d'argent, mais quand on me propose de faire autre chose que cela, alors comme ça m'amuse, je demande n'importe quoi, pourvu que je vive une aventure. Alors, si je fais du cinéma un jour, ce sera pour faire du cinéma, c'est-à-dire pour jouer un rôle autre que le mien, n'importe quel. Claude, vous vous souvenez d'une conversation que nous avions eue un soir, il y a très très longtemps, à une époque où Jean-Pierre Melville, il était encore de ce monde, l'extraordinaire Melville, vous avez fait savoir qu'il s'intéressait à vous, vous vous souvenez? Oh, dis donc, c'est vrai. Oui, il y a 10 ans. Ça me frappe, et je me souviens avoir vu ces deux chats. Il m'avait frappé ces deux chats, et depuis j'ai exactement les mêmes deux chats. Enfin, c'est un détail, mais c'était un point qui m'avait frappé, son amour du jazz, puis toutes les histoires qu'il nous avait racontées. Enfin, je veux dire, j'ai passé des heures plus que captivantes, traumatisantes avec lui. Je me suis dit, c'est un monde complètement différent du nôtre. Je suis arrivé dans un personnage que je n'imaginais pas. Je suppose qu'il était assez exceptionnel, mais je me suis en même temps, j'ai généralisé, je me suis dit, le monde du cinéma, c'est ça, c'est des personnages un peu abstraits qui réfléchissent. Vous, vous étiez tombé sur celui qui était peut-être le plus impénétrable de tous. Hein. Peut-être, c'est ça, mais enfin, il m'a vraiment frappé. Je me suis dit, ça, alors je vivrai cette aventure avec plaisir. Et quel rôle il vous avait proposé à l'époque? C'est pas un rôle de chanteur, je m'en souviens. Non, pas du tout. Dans un film policier, ça va de soi? Oui, un film policier, c'est un rôle assez dur. Il m'avait demandé si j'avais pas peur d'être assez dur, d'être... J'ai dit au contraire, non, ça me changerait, je suis toujours le gentil Clo-Clo, là. J'aurais été le dur, ça aurait été un rôle de composition, ça m'aurait fait plaisir. Claude François, une chanson, c'est une histoire. Elle dure 3 minutes, mais c'est une histoire. C'est un scénario de 3 minutes. S'il fallait choisir une de vos chansons pour faire un film, quelle est celle qui serait la plus intéressante? Quelle est celle qui raconterait le plus de choses? Ce serait de toute façon un film d'amour. J'ai beaucoup de chansons d'amour, disons que peut-être comme d'habitude, qui est une chanson d'amour. Oui, parce que c'est la conclusion malheureuse de l'histoire d'un couple, donc on pourrait rétrospectivement repartir sur tout ce qui s'était passé au départ et terminer par comme d'habitude, c'est-à-dire par la situation de la chanson. Quand vous allez au cinéma, est-ce que vous trouvez des points communs entre les acteurs et les chanteurs? Il y a de la comédie dans la chanson, beaucoup moins bien sûr que dans le cinéma. Je veux dire, un chanteur est un personnage, artistiquement parlant, un personnage instinctif. Un comédien, comme son nom l'indique, est un comédien, il joue la comédie bien sûr. Mais qu'on ne dise pas que dans la chanson, il n'y a pas une part de comédie. Il y a une part de comédie. Et pour avoir, disons, le manque de pudeur ou le culot d'interpréter cette forme de comédie, on a tous tendance à chercher n'importe quoi pour y arriver, des éclairages absurdes, une sono trop forte. C'est pour ça qu'on aime bien la sono très forte, c'est un de nos secrets. On est tous pareils sans se donner le mot, on met beaucoup de sang pour oser, pour exagérer. On boit un petit coup d'alcool avant d'entrer sur scène pour être un petit peu gay, pour en faire un petit peu trop, pour en fait être comédien. Alors je crois qu'il y a ce dénominateur commun en tout cas. Nous retrouvons Claude François dans un instant. Passe à toute vitesse à Cannes pour préparer une émission de télévision. Bon, des exemples récents de chanteurs qui ont réussi au cinéma, si on remonte à l'origine de cette génération qui est celle de Montand, il y a Aznavour, il y avait Chevalier bien sûr, et puis plus près de nous, il y a maintenant Dutronc, il y a Mort Schumann, et pourquoi pas Claude François un jour. Il faudrait vraiment que ce soit un contre-emploi complètement, et si ça réussissait, est-ce que vous seriez capable d'oublier complètement la chanson pendant 4 ou 5 ans, ce que fait un petit peu Dutronc maintenant, ou ce qu'ont fait les Charlots pendant des années? Oui, ça je crois qu'il me serait parfaitement possible d'oublier la chanson dans la mesure où je sais que j'y reviendrai un jour ou l'autre. Définitivement, ce ne sera pas possible, c'est mon vrai premier métier, mais l'aventure du cinéma me tente, je veux dire... L'aventure telle que je l'ai dite tout à l'heure, c'est-à-dire l'aventure dans le sens du complètement nouveau, l'aventure de l'inconnu, de la découverte, ça me tente vraiment. Et ne prenez pas ça comme un absolu manque de pudeur une fois de plus, ou comme une forme de prétention de ma part, mais comme une forme de conviction intérieure très profonde. Je suis
sûr que je suis très doué pour faire du cinéma. Alors que c'est quand même une fonction différente. Je le dis d'autant plus que je vais sûrement jouer à la comédie. Peut-être par la suite, quand j'aurai des belles petites rides et des cheveux grisonnants, peut-être que ça m'ira mieux, j'en sais rien. Mais un jour, je le ferai, un jour, ça sera superbe. Parce que je sais quand c'est bien, comme quand je sens qu'une chanson est bien, comme je sens qu'un public, je vais en faire ce que je veux. Je sens au creux de l'estomac, je ne dis pas que je ferai une carrière d'acteur, mais je sais que je serai capable de faire quelques films d'une façon assez superbe, ne serait-ce qu'un film. Je veux dire, je serai l'Aznavour du film dans le désert, j'oublie le titre. Un taxi pour Tomo. Je suis sûr que je serai capable, dans un rôle où je me sentirais vraiment bien, ou dans deux ou trois rôles, je suis capable d'être très bien dans deux ou trois accidents, en tout cas. Donc à chaque fois, vous avez fait quelque chose avec conviction, parce que vous étiez sûr que ça marcherait, ça a toujours réussi, donc pourquoi pas dans ce domaine. Cela dit, alors je sais de quoi je parle, et vous savez aussi, ça va vous faire sourire, le tempérament oriental qui fait que vous êtes plus ou moins ponctuel professionnellement, ça c'est interdit au cinéma, car ça coûte très cher, il faut arriver à l'heure, au maquillage à 6h du matin, ça c'est la première chose, il faut arriver à l'heure. Et la deuxième chose, c'est qu'on attend beaucoup, il y a beaucoup de temps mort. Est-ce que vous seriez capable, vous qui êtes un nerveux, entrer ou souvent même extériorisé, d'attendre? Je serais capable d'attendre, je serais capable d'arriver à l'heure, il faudrait, du fait même que je coupe, non mais ça fait rire, mais c'est vrai, il faudrait que je coupe les ponts définitivement avec tout ce que je fais d'autre à côté. Donc je dis quitter la chanson, quitter tout. Arrêter de ricaner à côté de moi. C'est-à-dire confier toutes mes affaires à tout le monde et surtout plus m'en occuper du tout. Un vague coup de téléphone de temps en temps, juste entre deux prises dramatiques. Je vois ça d'ici. Merci Claude, à dimanche.